Une chose essentielle pour un jeune, c'est déjà de rêver. C'est déjà une très grande force. That feeling is the best feeling in the world. When you know you've worked hard for something and you finally have accomplished it, you can raise that trophy up over your head and you feel like on top of the world. Bonjour, c'est Yannick Noah. Bonjour, c'est Marie Pierce. This is Martina Navratilova. This is John McEnroe. This is Chris Evert, and you're listening to Bon Entender. If you're going to be a professional tennis player, the one thing that you do have is enjoying what you're doing. Je m'appelle Joe Wilfried Tsonga. Ça fait 17 ans maintenant que je suis sur le circuit. J'ai été numéro 5 mondial et j'ai gagné la Coupe Davis. À 36 ans, j'approche petit à petit de la fin de ma carrière. Mais j'ai l'impression que j'avais leur âge hier. Je suis parrain de la team BNP Paribas Jeunes Talents. Parmi eux, il y a Jenny, Max, Antoine et Arthur. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'ils deviennent. Arthur a pris son envol. Ça c'est fait, 10 minutes. À 18 ans, le Montpelliérain n'habite plus chez ses parents. Il a quitté son sud natal pour emménager dans un studio à Paris. J'ai plus papa et maman qui sont là à me dire « Bon, tu fais ci, tu fais ça. » J'ai plus les bons petits plats de la madré. Donc, je suis plus autonome. Mais je pense que c'est une bonne étape dans ma vie. Ça va me faire grandir. Moi, je me trouve que je retrouve bien la rue, ici. Donc, je suis vraiment à côté de Roland-Garros. Arthur habite à deux pas du CNE, où il peut s'entraîner avec des partenaires de haut niveau. Les Mahuts, les Gasquet, les Pouilles, les Herbert. J'atteins un âge et un niveau où il faut que si je veux aller plus loin, il faut que je me confronte avec des gros joueurs, quoi, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc ouais, ça fait partie de mon choix. Ah, l'huile d'olive, c'est la base. J'en mets partout. Tant que je suis liste, l'huile d'olive. Avant de quitter le monde des juniors, Arthur avait un dernier rêve. Si Roland-Garros Junior se passe, ben forcément mon objectif ça va être d'essayer d'aller au bout. Tête de série numéro 2 du tournoi à l'époque, il a perdu dès les 8e de finale. Je me souviens très bien, après la défaite, je me suis mis dans un couloir de Roland, allongé contre le mur, avec une serviette sur la tête, en train de pleurer. Je suis resté une heure et demie. Ouais, j'avais reçu un gros coup sur la tête. J'avais l'impression d'être passé tellement à côté de mon match et de l'événement. C'était un grand, grand moment de vide, de solitude. Chaque défaite est là pour nous servir. En plus, je suis jeune, donc le principal, c'est les pros, c'est le futur, c'est à long terme. Si Arthur a quitté le domicile familial, Jenny habite toujours chez ses parents. Après le petit-déj, j'ai cours d'anglais à 8h30 jusqu'à 10h. À 16 ans, elle est maintenant en seconde et suit désormais ses cours à distance, sans ses anciens amis du collège. Si tu as des questions, il y a une petite main, tu peux lever la main. Quand j'ai quitté le collège, bah j'étais au fond du trou, vraiment, ça me manquait trop. Déjà, la récréation, c'est le moment où tu t'interagis avec les autres, avec les 6e, 5e, avec toutes les classes. Et là, j'interagis avec
avec personne. Il faut que tu regardes ça. Elle se retrouve en Corée du Nord, ouais. C'est hip et c'est mes deux. Il y a une tempête, elle se retrouve en Corée du Nord. Corée du Nord, ouais. Pour être honnête, c'est un petit peu triste parce que moi, j'ai besoin de ce lien social avec mes amis. Mais donc, si c'est pour mon projet, bah, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres élèves dans la classe, donc tu peux interagir aussi avec eux, avec le prof. Au même moment, en Espagne, Max aussi travaille ses cours. Bah, puisqu'on est en Espagne, j'essaie de travailler mon espagnol. En plus, j'ai le bac à la fin de l'année, là. Dans cette chambre d'hôtel, Max vit pour quelques jours en colocation avec un certain Antoine Guibaudot. Tout à l'heure, je l'ai vu travailler, donc je peux pas dire que c'est du chiquet, mais après, de là à dire qu'il fait 5 heures par jour, non. Tu fais deux tournois en Espagne, je passais beaucoup de temps avec Antoine Guibaudot, qui est aussi de la team. Je me souviens de tous ces tournois vécus à deux dans une chambre. J'y ai construit de belles amitiés. Tout se passait bien, on rigolait bien ensemble, on a même fait les doubles ensemble dans les deux tournois. Donc maintenant, c'est un bon ami. C'était assez marrant, même entre les coachs, lui et moi. Les soirées quand on mangeait, ça se passait, c'était vraiment, vraiment bien. Max et Antoine préparent un tournoi junior dont le niveau s'annonce très élevé, comme souvent depuis l'arrivée de la Covid. Bah, vu que beaucoup de tournois s'annulent, bah, y a moins de tournois et y a toujours autant de joueurs. Du coup, forcément, les tournois ils sont un peu surchargés. Du coup, les tournois ils sont plus forts, mais c'est un peu plus dur. Mais c'est aussi une bonne chose parce que ça permet de faire des bons matchs. Cette densité, Arthur la retrouve à l'étage supérieur, celui des pros. Le 750e joueur mondial a obtenu une wildcard pour le challenger de Quimper. La déception de Roland Garros Junior semble loin. Pour Arthur, ça représente une étape très importante dans son apprentissage. C'est vraiment ses premiers matchs en challenger. Très peu de tournois en ce moment, donc on est sur le niveau en fait de dernier tour de qualif de Grand Chelem sur chaque match de premier tour. La barre est très haute. C'était une super expérience, en plus le tableau était très très relevé, ça a fermé à 200, donc c'était méga fort. Face à Lucas Rosol, Arthur remporte son premier match dans un challenger, une nouvelle étape dans une saison déjà très riche. J'ai fait mon premier Master 1000 à Paris-Bercy. J'ai gagné mon premier futur, qui était une belle victoire, une belle semaine. J'ai gagné mon premier match en Challenger. En plus, j'ai gagné Rosol, qui est quand même qui a un nom dans ce milieu. Il a été 35e mondial, il a déjà gagné Rafa. Donc, il m'est arrivé pas mal de trucs sympas et j'espère que ça va continuer. Il est 7h du matin à Manacor, l'heure du petit déjeuner pour Antoine. Vers 8h07, 8h08, comme ça à 8h10, on est réchauffé. Top 100 chez les juniors à 16 ans, le jeune Parisien est venu travailler dans l'académie de Rafael Nadal à Majorque. Je voyage dans d'autres pays, je peux mesurer à d'autres joueurs, je suis dans d'autres conditions aussi, ça c'est important de savoir bien s'adapter. Et aussi il y a d'autres conditions qu'il n'y a pas en France, par exemple pour jouer à l'extérieur en hiver, ça c'est vraiment intéressant. Si Antoine est ici,
C'est aussi pour participer à un ITF grade 3. Le jeune francilien est qualifié pour les demi-finales du tournoi. Une première pour lui à ce niveau. Jouer une demi-finale ici sur le premier tournoi extérieur, c'est encore mieux. C'est une expérience en plus, un match en plus, qui va permettre de ressortir des axes de progression. Donc c'est top, vraiment c'est top. Moi c'est sûr, j'ai un peu de mal avec la défaite. Après le match, vraiment je suis pas bien et tout. Vraiment je suis au fond. Même pendant un ou deux jours, je suis un peu déprimé, ouais, c'est ça. Mais le but c'est de rebondir après. Chasser les doutes, répondre à des questionnements intérieurs, tous les joueurs sont passés par là. Même moi, à 36 ans, tous les jours, je me remets en question. Donc là, maintenant, il faut vraiment que toutes tes séances d'entraînement elles soient faites dans l'intensité quasiment maximale, que tu dois t'engager sur chaque balle et tu dois être vraiment concentré, focus sur chacun de tes instants d'entraînement. Tu vois, c'est ça qui va faire la grosse différence. Et ça va le faire, il n'y a pas de raison. Max, lui, a beaucoup réfléchi à son avenir tout au long de la saison. Allez, viens. J'étais un petit peu fatigué, lassé mentalement, je pense. Et j'arrivais plus trop à trouver ce détachement dans les matchs, à prendre ce plaisir que j'avais avant. Et donc, j'essaie de peut-être trouver une autre voie, ou en tout cas changer quelque chose pour en tout cas que moi, je m'épanouisse. J'ai changé de structure, ça fait environ un mois que je suis rentré donc chez moi. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais à Cannes. Je me dis, si, tiens, cette vie-là, moi, ça veut dire qu'il est fait pour ça. J'espère qu'il est fier de moi, là. Je me fais à manger. Je me fais une bonne petite salade, donc je pense qu'elle sera contente. En fait, il était à la maison à Noël et c'est assez rare d'avoir Max 3 jours de suite. J'ai dit, est-ce que ça va? Est-ce que tu es heureux? Où est-ce que tu es le mieux? Il me disait, je suis bien à la maison. Il m'a dit, en fait, j'ai réfléchi, je veux reprendre mes études. Boum, comme ça. L'année était assez compliquée, j'ai eu un peu de mal à surmonter tout ça. J'étais tout seul dans mon appartement, donc à un moment, c'était un peu dur. Partir en tournoi, je jouais pas très bien, je gagnais pas beaucoup de matchs et en fait je voyais pas trop le bout du tunnel. Je me disais j'arrive pas à jouer, je prenais plus de plaisir sur le terrain, je me frustrais pas mal. Il s'avère que je trouvais que c'était aussi important de faire des études pour avoir une espèce de plan de secours dans ma vie, quoi. Max a été accepté dans la prestigieuse université de Columbia, à New York. Un choix que je trouve courageux dans le monde parfois formaté du tennis. Alors, est-ce qu'on a une question pour Joe Wilfried Tsonga? Ouais, Max. J'ai une question. Je me pose pas de barrière. Je sais que peut-être qu'il y en a qui vont plus s'entraîner que moi, mais bon, moi, ce qui m'était vraiment le plus important, c'était le fait que dans ma tête, je sois bien. Je suis au courant un peu de tes dernières décisions et je t'encourage à fond quand tu vas aller là-bas aux États-Unis, même si évidemment tu vas faire tes études, à mener aussi ton projet tennistique. J'espère que tu tomberas sur des gens là-bas qui sont au top et qui vont t'aider justement à retrouver un peu cette confiance, tu vois, et ce truc où tu te dis c'est un jeu et je m'éclate à faire ça et j'ai envie de progresser. En tant que mère, moi je pense qu'il a besoin de ça pour un équilibre sain dans sa tête, pour tout, quoi. Je pense que
ils vont se nourrir, les deux domaines vont se nourrir. Je pense qu'il va mieux jouer parce qu'il n'y a pas de question de laisser tomber le tennis parce qu'il va, c'est quand même sa vie aussi. Mais et en même temps, il va apprendre des choses et je pense qu'honnêtement, les deux vont faire que il va être très équilibré et ça va se sentir dans son jeu, j'en suis persuadée. J'essaie de m'amuser sur le court, de me donner à 100%. J'ai repris cette envie de tout donner que j'avais avant, mais que là, je prends plaisir à le faire, on va dire. Chaque parcours est unique. Tous les jeunes qui ont essayé de faire du tennis leur métier ont connu des difficultés. Pour Jenny, elles sont physiques. Mon dernier tournoi, c'était en août 2020. Et après ça, j'ai plus rien fait à cause de grand nombre de blessures au niveau du pied. Metata, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, avec une fois un petit souci sur le sésamoïde. Ça fait 6-7 mois, voire un tout petit peu plus, presque 8, où c'est très compliqué. Elle ne joue pas ou peu, et à chaque fois qu'elle se réentraîne et qu'elle va pour reprendre, bah, ça s'arrête. Donc on est dans le stop and go depuis trop longtemps. Alors, toi, tu évoques l'aspect physiologique de la blessure. Moi, évidemment, mon domaine, c'est plus l'aspect psychologique et mental. Moi, je te confirme qu'elle a une personnalité qui est assez rare dans le domaine de la gestion de la blessure parce que, en fait, même si elle a forcément un petit peu d'anxiété, elle a une positivité quand même à toute épreuve. 4, c'est très bien ça. Pour gérer ça, je fais beaucoup de physique. On compense beaucoup avec le physique. Le fait de ne pas jouer au tennis, j'accumule beaucoup d'énergie en moi qui ne peut pas s'évader, tu vois. Donc c'est sûr que les entraînements et les tournois, ça me manque beaucoup pour justement faire évacuer cette énergie. Voilà, j'attends juste que ça passe et on verra plus tard. Je te confirme qu'au cours de ces séances, il y a eu des moments où elle a craqué parce qu'elle est faite comme tout le monde, elle a des émotions qui peuvent la submerger. Juste de la frustration, de la tristesse, de la colère. C'est juste le fait de ne pas pouvoir jouer parce que le tennis, c'est toute ma vie. Dernière. C'est parfois plus difficile pour elle de les exprimer, mais quand c'est fait, ça y est, elle est passée à autre chose. Ouais, je suis très très vite. Ouais, voilà. Mais l'abandon ou le défaitisme, non, c'est quelque chose qui qui lui colle pas à la peau, loin de là. Allez. La résilience de Jenny est bluffante. À son âge, prendre de la hauteur sur les choses, c'est impressionnant. Ça fait quelques mois où je suis blessée au pied, en fait. Donc je me guéris, ça revient à chaque fois. Du coup, c'était un petit peu dur à la fin de l'année. C'est là où, en fait, il faut arriver à avoir un bon staff à côté de soi. Que ce soit coach, que ce soit prépa mental, que ce soit kiné, docteur et tout. Quelque chose qui est très compliqué, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, etc., c'est éviter d'écouter tout ce que l'on dit, quoi. Donc c'est là où, en fait, il faut vraiment avoir cette bulle de confiance. Quand tu as réussi à la construire, et ben après, il faut la garder. Et c'est cet équilibre-là qui te permettra d'avancer. J'ai confiance en nous. C'est pas une façon de se rassurer. Jenny, pour l'instant, elle confine son pied, elle le déconfine, elle le reconfine. Et puis à un moment, on va avoir un déconfinement général. Alors, je sais pas s'il y aura un vaccin pour son pied, mais en tout cas, ça ira, je pense, vite mieux. Ouais, je le pense aussi. Le corps est une mécanique de précision qu'il faut savoir ménager, car c'est notre outil de travail. Allez, t'envoie, t'envoie, allez. Sur le moment, forcément, c'est dur, mais après, quand on fait les efforts, c'est super valorisant et super agréable après. Aujourd'hui, Antoine enchaîne 8 fois 400 mètres. Un effort violent. Allez, go! Allez, mec! Les répétitions de sprint, les efforts un peu longs, qu'ils soient capables de tenir sur la durée d'un tournoi, être capable de tenir un peu plus longtemps sur les fins de semaine.
fait du bien quand on a fini, mais sur le moment, si j'ai envie de vomir, vraiment, je suis pas bien, quoi. Jouer avec des personnes du tennis, ouais. Avec Arthur, j'ai déjà joué une fois. Ah, il est un peu meilleur que moi quand même. Hein. Débrancher le cerveau, oublier le tennis, ces moments-là sont indispensables. Moi, je coupais mon téléphone et je fonçais à la pêche. J'ai commencé le hand en même temps que le tennis. J'étais au MHB, un club assez historique dans le hand. Et j'ai joué jusqu'à mes 11-12 ans. Voilà. Forcément, ça me fait plaisir de revenir sur un terrain de hand, en plus avec un ami, donc c'est top. Rubik's Cube 3x3, passion, j'aime trop. Mon record, c'est 18 secondes. Poppy, allez, monte. Elle s'appelle Poppy, c'est un berger australien et elle a 5 ans. La garrigue, la nature, les chevaux, c'est un peu mon ADN. Je suis né dans cette région et donc ça me fait du bien pour me ressourcer de descendre de temps en temps à Montpellier. Arthur s'approche petit à petit du plus haut niveau. Comme un symbole, il a joué cette saison en double avec Hugo Gaston, l'un des héros de Roland-Garros l'an dernier. Vraiment, il m'a fait rêver. Il a eu un parcours incroyable, quoi. À Roland, c'était magique ce qu'il a produit comme jeu et comme émotion qu'il a pu nous transmettre. C'est un exemple et c'est cool de côtoyer des personnes comme ça. Vraiment très agréable d'être à ses côtés, quoi. On se connaît bien depuis les juniors. Je trouve qu'il évolue bien, il a vraiment beaucoup de qualités et j'espère pour lui qu'il va faire une belle carrière. En termes de niveau de jeu, je me sens pas si loin de joueurs comme ça, qui sont top 200. Mais après, il y a beaucoup de choses quand même à travailler hein, en termes de régularité et surtout, il faut que je fasse mes preuves. Hein. J'ai rien prouvé encore sur des challengers. Tu le connais bien en fait, Hugo Gaston. Ouais, je le connais pas mal parce qu'en junior, bon, il a 2 ans de plus que moi. Mais sur sa dernière année de junior, moi j'arrivais sur les grands chelems juniors. Je suis encore très très loin des objectifs que je me suis fixé, des rêves que j'ai pu avoir gamin, je suis encore très très loin. Mon rêve, moi, c'est de gagner Roland. Et c'est mon rêve ultime. Moi, mon objectif, je le dis tout le temps, c'est gagner Roland-Garros, c'est être le meilleur joueur de tennis. Donc non, je l'assume, mais je me rends compte forcément du chemin et de la difficulté qu'il y aura. Et c'est ça qui me donne l'envie voilà, de mieux faire et de me surpasser tous les jours. La route pour devenir un champion est longue et sinueuse. Pour tous les membres de la team BNP Paribas Jeunes Talents, il y aura des écueils à franchir et des objectifs à se fixer pour avancer étape par étape. Le seul truc que je veux faire cette année, c'est juste de guérir, c'est la priorité. S'arrêter autant de fois en une année, c'est extrêmement frustrant. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est juste de jouer au tennis, quoi. Jouer sans être blessé, sans avoir de douleur, c'est déjà beaucoup. Et voilà, j'ai la chance de faire un sport et maintenant, c'est presque mon métier parce que je fais que ça et j'ai que ça. Donc, de faire entre guillemets un métier qui me passionne, qui me permet de voyager, de voir d'autres cultures, j'ai vraiment de la chance, quoi. Ça va changer un peu de ma vie où j'étais tout seul. Là, maintenant, j'ai plus mes parents qui me font manger ou qui m'aident. Donc, ils me lâchent pas pour les révisions. Donc,
C'est un peu fatigant pour être honnête, mais bon, je fais avec. D'habitude, je rentrais pour les vacances, mais là, ça fait un peu bizarre de me dire que bah voilà, je vais rester ici. Tous les matins, je vais me lever, et je serai ici et j'ai une espèce de sérénité. Tous les matins, quand je me réveille, je me dis ah bah, je suis content de ce que j'ai fait quoi. Chacun a sa personnalité. Max se donne le temps alors qu'Antoine est plus pressé. À 16 ans, il a l'impatience qui caractérise certains grands talents. Et elle lui sert de moteur. De ma catégorie, je crois que je suis 3e mondial. J'espère quand même essayer de passer pro avant d'avoir 18 ans, commencer à les jouer avant. Parce que le circuit junior, c'est bien, mais c'est pas non plus une finalité. Donc là, il faut passer à une autre étape, faut passer chez les pros. C'est ça qui compte. Derrière Max, Jenny, Arthur et Antoine, il y a 4 trajectoires. 4 façons de rêver, 4 manières d'avancer. Je commence à vieillir, c'est un grand mot, mais oui, je prends un peu plus de l'âge et je suis plus junior. Donc je sais pas, jeune talent, jusqu'à quel âge on peut mettre cette étiquette entre guillemets. Je dirais aller jusqu'à 21 ans, on peut se sentir jeune quoi. C'est un de mes objectifs à moyen terme que je me suis fixé déjà il y a quelques années, c'est d'être top 100 avant mes 21 ans. Voilà, c'est un bel objectif et ça peut être une belle étape quoi.